Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 24e épisode déjà. Mon Dieu, que le temps passe vite. Je vais le dire à chaque fois, mais c'est vrai que quand je prononce ce chiffre, c'est le let's play le plus long que j'ai pu avoir l'occasion de faire. Et c'est très... C'est un vrai privilège de pouvoir faire cette aventure à vos côtés. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours aussi enthousiaste que moi à l'idée de continuer l'histoire. On peut se crafter quelque chose. 1 sur 1 peut tuer des ennemis depuis une posture furtive pour se libérer des claqueurs. Ah, intéressant. On va s'en faire un. 2 du coup. Ça peut être pas trop mal. Maybe that will save us from the enemies around here. Ok, toi on va essayer de te faire discrètement. D'accord, ah oui, ok. Ah oui, c'est l'ancien gameplay en fait. C'est cool, c'est cool. Il est où l'autre? C'est bon, on va pas se faire repérer. Autant économiser les surins pour les claqueurs. Ça peut être une bonne idée. J'espère que je vous gueule pas trop dans les oreilles. À vrai dire, j'en sais rien du tout. Ah, on peut se crafter autre chose. Des explosifs. Il y en a un autre dans le coin? D'accord. Donc toi, t'es vraiment chiant dans le genre chiant. Et je vais essayer de jouer beaucoup plus discretos. Ça pourrait être très cool, je pense, à vous proposer. Plutôt que le full bourrin, et puis ça me permettra d'économiser des munitions, par exemple. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un claqueur, mais j'arrive pas à le voir. On va essayer de rester discret. Maybe c'est ok. Voilà. J'ai eu le stress parce qu'on est vachement proche de l'autre ennemi. Que je soupçonne être un claqueur. Je sais pas, il fait pas le bruit d'un claqueur. Qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi ça? Je sais pas trop. Ça m'a l'air d'être un claqueur, mais le doute m'habite. Bon, on va se le garder. En attendant, on peut fouiller un peu aux alentours. C'est ça qui est cool. Par là, ok. Là, normalement, on fait masse de bruit, hein. Donc, il doit être endormi. Ok. Très bien. On peut se crafter encore quelque chose. J'avais pris des dégâts je ne sais comment. Ah, ça c'est bien. Les surins, j'aurais tendance à dire tant qu'on en a deux. C'est pas très très grave. Vraiment deux, c'est le minimum syndical, on va dire. On a une petite barre de céréales ici, il me semble. Ah non, ok. C'est cool, c'est cool. Par contre, on a combien d'écrous là? J'aimerais bien savoir. Ennemi saisi, vitesse de déplacement. On va prendre ça. Tout ce qui est rapidité avec elle, ça peut être cool. Puisqu'à mon avis, elle est assez solide au niveau résistance, mais c'est la rapidité son point faible. Je présume, hein. Parce que pour moi, elle est plus brutale. More brutal, you know. Alors, il fait très très sombre dans cet endroit-là. Voilà. On n'a pas pris le risque. Ah ok, j'ai compris. C'est fini. Mais oui, c'est fini. C'était le dernier. Bon, ça va, les phases avec Abby, vu qu'on est entre guillemets au début avec elle, c'est encore relativement simple. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion en regardant un let's play de Mr. B-Boy. Lui, il arrive super bien à jouer en stealth, en discrétion. Et moi, à côté, je passe pour vraiment le gros boulet. Par où je vais? Ça m'a l'air d'être une route barrée ici.
Je fais toujours gaffe qu'il n'y ait pas de... Tu sais, de fil là, explosif. Qu'est-ce qu'on a là? Donc cet endroit sert à rien. Ah, si, par là. À moins que ce soit la suite de l'histoire. En fait, quand il y a plusieurs passages comme ça, je suis hésitant à mort. Ah non, on peut pas passer ici. Ok, c'est juste pour ça. Je suis hésitant à mort parce que j'ai pas envie de rater des ressources qui pourraient vraiment nous sauver la couenne. Donc ce serait cool qu'on puisse optimiser, je dirais. Elle a un silencieux là? C'est quoi? Ah non, j'avais amélioré l'arme, je crois. Hein. Je crois que j'avais amélioré l'étrangleur. Pour que ce soit plus stable. Un truc du genre. Ok. Ça a l'air d'être une sorte de pharmacie, un truc bio là. Non, c'est une pharmacie. Allez, tu ramasses. En fait, j'ai déduit grâce à ça. Voilà. Ah, c'est peut-être même un cabinet d'acupuncture. Parce que je vois vraiment la disposition et c'est écrit en asiatique. Alors, je saurais pas vous dire ce que c'est. Ça a l'air d'être du chinois. Mais est-ce que c'est du mandarin ou du cantonais? Tu vois, la spécification, j'en sais rien du tout. Ouais, bon, on est clairement dans le quartier asiatique là. Ça tombe bien, parce que même dans Batman Arkham, c'était mon quartier favori avec tout ce jeu de néon là. Malheureusement, on pourra pas les avoir. Bah, j'allais dire à cette période de l'année, mais en fait, les mecs vont pas utiliser toute l'électricité juste pour t'allumer trois néons et un chat qui fait coucou. Un Equineco, je crois que ça s'appelle comme ça. Ok. Ouais. C'est pas mal. J'aime bien la déco. C'est très feng shui. Ah! Bon, là, on a du claquos, hein. Il est juste en face de nous. C'est pas moi qui ai fait du bruit, hein. Voilà, c'est une façon de faire. Ça c'est fait. Tu vois, je sais pas s'ils auraient pu m'atteindre vraiment. S'ils auraient pu m'atteindre là-dessous, là. Est-ce qu'ils auraient, ils auraient su venir me chercher? Aucune idée. En tout cas, bien sympa ce resto. Je penserais à ne pas y aller. Parce qu'il y a des claqueurs dedans. Par contre, la déco est énorme. C'est magnifique. Si on pouvait avoir des restos comme ça. Ah, j'allais dire en France, mais il y en a sûrement. Hein. C'est juste qu'on les connaît pas tous. Waouh! Waouh! La fresque! J'adore les fraises. Bon, aucun rapport. Il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu anecdotique de fouiller. Ne serait-ce que pour passer ici. Ok. Ça, je dirais pas que ça m'a fait peur, mais bon. Quand même. J'ai les poils des genoux qui sont hérissés. Fais voir. Bon. Désolé de ne pas avoir été là à ton retour. Ok, fais attention à toi. Le code. Merde, attends, c'est quoi le code? 68 96 89. Je vais jamais le retenir. Ok, où est-ce qu'il est? Ça se ramasse pas. Qu'est-ce que c'est? C'est Oh! quoi ça? C'est un œuf? On dirait les œufs de Rodin, je crois. La relique des sages. J'ai eu un trophée. Ok. Peut-être que le coffre est là-haut. Peut-être pas. Qui mettrait un coffre sur une terrasse? Personne. Mais attends, ça sert à quoi ici? À part pour le mode photo, j'ai bien compris que c'est magnifique. Ah. Ça fait un bail que t'es là, toi. Fais voir. Est-ce que t'as un autre code, toi aussi? Prophétesse, puisses-tu lui donner aux anciens la sagesse
qui nous mènera à la victoire contre les wolves. Les wolves ont rompu la trêve, cette famille assez longtemps. Si la famille vive assez longtemps pour récolter les fruits de nos sacrifices. Si on veut protéger sa famille, vaut mieux pas rejoindre une secte. Ouais, attends, il y avait un truc de l'autre côté de la note. J'aimerais pas passer à côté d'une info. Ah, nickel ça. Alors ça c'est nickel, hein. Le monde n'est pas en paix, mais je fais ma part pour y remédier. Tu m'as porté dans la tempête aujourd'hui, je dois partir. Je dois partir, que le courant soit calme, puisses-tu me guider. Ouais, parce qu'il a un petit accent. Ok, on a 63 engrenages. Il faudrait que je pense à craft quand je rencontrerai un établi. J'ai pas vu le coffre. Il doit être en bas. Hein. To the bathroom. Hop. Ah d'accord. T'es un mec comme ça, toi. Enfoiré. C'est super. Bon, ça a pas eu l'effet escompté, hein. J'ai pas crié au loup. Mais disons que c'est malin. On peut faire du bruit. Nickel. Hop. Ah, j'aurais voulu faire tomber cela. De toute façon, dès qu'il y a des trucs à casser, moi je suis là. Hein. Celui-là. Voilà. Nickel. Encore. Paf. Ah, je suis vraiment un gosse. Hein. Le coffre doit être ici, dans la réserve, j'imagine. Oh, c'est quoi? Des médocs? Est-ce qu'on peut... Attends, est-ce qu'ils ont fait vraiment le détail? Non. Ça fait pas tling, comme j'aurais imaginé. Mais par contre, votre coffre, c'est où? Parce que j'ai bien compris qu'il y en avait un. Mais alors, où? Ah. Ah! Parfait. On aurait pu passer à côté de ça. Ça peut servir. Attends, t'imagines si j'étais juste sorti là-bas? J'aurais fait hop hop hop, on s'en va. Bon, par contre, niveau cartouche, on n'est pas bien. D'accord. Hop, allez là-bas pour voir. Esquive un peu. Voilà mon pote. Vous êtes du genre un peu intrusif. Hein. J'ai foutu un beau bordel. Attends, c'est pas fini, voilà. J'ai vu qu'il y en avait d'autres à casser ici. Oh, j'adore ça. Donc eux sont tombés, mais moi, je suis dans la merde parce que j'ai pas trouvé le coffre que je cherchais. Tu penses qu'il serait dans le resto? Ça m'étonnerait fortement. Mais où est-ce qu'il peut... Où est-ce qu'il peut être... Donc là... Attends. Ah, j'ai fait le tour ici. Ce serait là-dedans? Parce que c'est bien fermé, hein. À moins que j'ai très très mal fouillé. Mais il me semble que j'ai tout ratissé. Je vais quand même vérifier dans le resto. Je voudrais pas mourir bête. Je t'ai entendu. T'as dit c'est déjà le cas. Mais enfin. Attends, mais où est-ce que tu mettrais un coffre? Peut-être dans les cuisines, mais on n'y a pas accès. Ouais. On repasse ici. S'il y a d'autres claqueurs, là, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est? Ah, il joue au domino. Sympa. Enfin, il jouait, du coup. Par contre, votre coffre, ouais. Trouver la combinaison, c'est une chose. Mais alors, faut déjà le trouver, lui. Bon. Eh ben, ouais. Écoute. On refait le tour. On repasse ici. Parce qu'il doit sûrement être en haut, hein. Il doit sûrement être dans les parages. Il m'aurait pas mis une combinaison d'un coffre qui est dans un autre bâtiment quand même. En haut, j'ai pas vu de coffre, hein, vraiment. J'en ai pas vu du tout. Ça m'embête.
Ça m'embête parce qu'il doit y avoir des bonnes ressources là-dedans. Ben non, il peut pas être là. Ce serait débile. Un vrai débile. Peut-être qu'on le voit d'ici. Ben non, je l'aurais croisé. Il est pas en bas non plus dans la ruelle. Bon, je pense que je vais vous faire une petite coupure à ce moment-là. En espérant qu'on se retrouve quand j'aurai trouvé le coffre. Sérieux. La pâtisserie, franchement, pâtisserie Jasmine, ça veut dire que c'est là-bas. On est bien d'accord. Mais alors, déjà que je sais pas lire le mandarin ni le cantonais, moi. Pâtisserie. C'est ça? Le dragon rubis. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une pâtisserie? King Street Relique. Mais attends. Ah, c'est là. Ah, on peut péter la vitre. Ah, j'avais pas vu. D'accord. Ok, ok, ok. Ah, bah tout s'arrange en fait. Ah ouais. Putain, t'imagines, je serais parti sans le coffre. Et là, y'a quoi? On peut pas manger tout ça? Bon, dans le doute. Moi, je pète tout. Le truc doit être bien périmé. Je comprends ce que tu essayes de me dire. Alors, de mémoire, 68, je crois que c'est ça, 68-89. 68-89. Attendez. Et 69, je crois qu'il y a une couille. Hein. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai tenté avec ma mémoire, mais c'est vrai que j'ai pas mal arpenté les rues juste après. Donc fais voir. 68, 96, 89. 68, 96, 89. Ok, ça prend bien du temps. C'est long. 68. 8, 96. J'ai déjà oublié la suite. Putain de merde. 96. Et là, c'était quoi? Ah, je sais plus. 69. Merde. Putain, je suis débile. Faut que je relise. 89. Mais merde! Oh putain, mais j'ai pas fait exprès! Mais c'est pas possible. Mais je suis un débile en fait. Je suis vraiment un putain d'idiot. 96. Et après. 89. Voilà! Combien de tentatives là? En fait, c'est. Le problème, c'est quand les chiffres se ressemblent trop. Genre dans ma tête c'est en mode c'est beaucoup trop proche. Combat rapproché. Tiens bah c'est sa spécialité à elle. Voilà, on a tout ramassé. Ici aussi. Oh bien. Et là. Oh bien aussi. Est-ce qu'elle peut se faire des silencieux elle? Ça peut être pas mal. On va faire ça. Et sur un, ouais, c'est bien. Comme ça, on en a 4. Fais voir ce que c'est combat rapproché. Élan. Après avoir tué un ennemi avec attaque éclair, votre prochaine attaque sera corps à corps sera également une attaque éclair. Pas mal. On va prendre ça. Puis après, j'imagine que ce sera pour augmenter la santé. C'est intéressant qu'ils aient pas fait en sorte que. Qu'est-ce que c'était? Il y a eu un truc là. Ah, ça doit être ça. Qu'est-ce que j'ai ramassé? C'est intéressant qu'ils aient pas fait seulement un arbre pour la santé, un arbre pour le punch et un arbre pour les armes. C'est un peu tout mélangé du coup. Ça t'oblige à débloquer certains trucs en priorité, on va dire. La trêve est morte, mais ça vous empêche pas de revenir ici sans arrêt. C'est magnifique ça. Nettoyer toute cette merde.
Waouh. Attends, mais on va se faire embrouiller là. Moi je sens qu'on va se faire embrouiller. Si je monte dans ce camion, il y a quelqu'un qui va venir refermer. Je préfère fouiller avant. Hein. Ok. Ok les gars. Ici c'est clear. Ah non, il y a l'échelle. Très très bien. Par contre, le coucher de soleil est éternel. Hein. Je prends bien mon temps. Oh, c'est beau ça. Ah ça, j'ai trop de balles maintenant. Ok. On va se recharger celle-ci. Et on va la garder d'ailleurs. Y a plus de coups. C'est peut-être moins mortel. Mais il y a plus de coups. Alors, ok, ça c'est pour aller là. Ça doit être la suite. Ok. On va descendre. On va descendre, on va chercher ce qu'il y a dans le camion là. Et puis, on verra ce que c'est. Ah, juste une note. Tout ça pour une note. Prophète, vol des clairvoyances de sa sagesse. Ok, ils sont dans un bon délire. Reste sur ton île. Mais qui est cette dame? Qui est-elle? C'est trop mystérieux tout ça. Ils ont l'air de la vénérer à un point tel comme si c'était une divinité. Un peu comme Bouddha qui était en fait un homme. Mais élevé au rang de divinité justement. Les Scars sont des tarés. Ok. Isaac. Pas de code. Putain, t'as transformé une folle en martyr. Ok. C'est pas mal ici. Ça va être fermé. D'accord. Super. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une ceinture. Parce que en fait j'ai vu un gros gun et en fait c'était juste un étui. J'étais en mode oh putain, un lance-grenade dans The Last of Us. Ah, ça aurait été fun. Pas très RP mais bon. Ça aurait été très très drôle à jouer. Donc là, c'est la suite de l'histoire, tu me dis? J'aimerais bien continuer à fouiller. Puisqu'il nous reste 5 minutes. Si on peut encore fouiller les alentours. Ce serait... Oh là, ce serait très très cool. On y retourne. Hop. On peut y aller par là, j'espère. Ah, je suis bloqué. Ah, on peut pas. Si. Voilà. Ça m'évite vraiment d'aller jusqu'à l'échelle et tout. Fait de plus en plus sombre. Ah non, c'est peut-être ça la suite de l'histoire. Si je descends là, il y a trop de chemin. Franchement, pour m'y perdre, c'est cool. C'est pour ça que j'ai hâte de refaire l'histoire de mon côté, enfin le jeu de mon côté, pour vraiment aller dans les endroits que j'ai ratés. Quoi, ça me sert? Comme près de la station TV, en fait, ça me hante. Je veux trop savoir ce qu'il y avait dans ce petit passage, justement dans la ruelle là. Et j'ai pas eu l'occasion. Et à chaque fois, genre quand je dors, je vois cette ruelle et je me dis putain. Attends, j'ai fait ça pour rien. Vraiment. Bon. Ok. On va aller voir par là. Et puis ensuite, je pense qu'on va s'arrêter tranquillement. On va voir ce qu'il y a ici. Vraiment. Ah, voilà. Là, il doit y avoir des petits trucs sympas. Oh, une crowbar. Ça peut être cool, ça. Bah, c'est maigre, hein. Franchement, heureusement que je suis pas en mode survivant. Parce que là, on aurait été pas bien, pas bien. Allez, on se dépêche. On va continuer d'avancer. Ah, il y a un truc ici. Qu'est-ce que c'est? Une autre note. Prophétesse, puis-tu offrir les enfants la force des pires? Ok. T'en demandes trop, mon pote. Ah, un autre. J'aurais pu rater tellement de choses.
Sagesse avec Edmund. C'est le gars dans Narnia. Ouais, elle veut juste tirer son coup. Ok, mais toi t'es pareil avec Owen. Comment je l'ai clashé? Fais voir. Profiter de la monture puissante et agile. Sympa. Ça paraît honnête ça. C'est pas le génie de la lampe. Et toi le dernier? Toi tu as demandé un truc, une dinguerie. Hein. Mes mains sont sont peu habiles et je suis incapable de virage en rapportant, forgeant, bâtissant la capacité. Ok. Qu'est-ce qu'elle va dire là-dessus? Oh, enfin une demande réaliste. Bah tu vois, moi je trouvais que c'était la demande de monture qui était la plus cool. Parce qu'en soi, tu peux croiser un cheval sauvage. Un cheval, pas un cheval. Ok. Ne dis pas que je suis tombé pour rien. On pouvait passer ici, c'est ça? Non, c'est bon. Ok. Il va y avoir des méchants ici. On va essayer de rester caché. Eli? Ah, ils sont loin quand même. On va essayer de jouer discretos. Comme j'avais prévu de faire. Oui, j'ai passé un an dans les tours de guet. Les anciens ont estimé que j'étais prêt. Et maintenant que t'es là, t'en penses quoi? C'est un honneur, mais le territoire des Wolves est plus triste que je ne l'imaginais. Comment faisaient les gens pour vivre ici? Par tes paroles, la prophétesse nous a sauvés. Elle nous a appris à mener une vie simple. Ce monument à la gloire de la paix. Je parle pas parce que. J'essaie de. Ah, ok, ils sont là. Ok, ils sont en mode fouille. Je sais pas où je dois aller. Putain, il y en a un juste en face. Eux, ils ont pas l'air de ressortir. D'accord, donc en fait, tout le monde me voit ici. C'est la merde. C'est la merde. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. J'espère juste qu'on va passer ce passage-là assez rapidement. Qu'on puisse se dire à très très vite. Le truc c'est que... Putain, pour avancer... Faut se lever tôt, hein. J'en entends un peu partout. Sans pour autant les voir. Ah, là vous êtes deux. C'est pas ouf. Pour moi en tout cas. Comment faire? Putain, il y a toi aussi. Mais là je suis vu, non? Genre là? Ok. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc ils vont tous dans cette boutique. Il y a un cheval ou quoi? On va essayer de continuer par là. J'ignore où ça mène. Ok, maintenant. Putain, je suis mort. Mais là, je suis caché. Bon, ok. Ok. Pour l'instant, on est repéré. Mais il y a encore moyen de faire quelque chose.
C'est pas définitif, hein. Là, on n'est pas grillé. Ah merde! Non, mais là, par contre. Pourquoi je pouvais pas la saisir? Prends les balles juste. Ok. Bah, on va juste monter, nous. Si on peut. Putain, mais où est-ce qu'on va? Là, on va jusqu'en enfer, en fait. Ok, je sais que j'ai loupé plein de trucs à ramasser, du coup. Mais je voulais tenter un truc en mode discret, mais putain, c'est tellement dur. Merde. J'espère qu'Owen a pris une autre route. Ça finit jamais, ce truc. Mais vous savez quoi, on va s'arrêter ici quand même. J'espère que ce 24e épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très très vite. Ciao.